Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait presque 15 jours là qu'on n'a pas publié de nouvelles vidéos. Mais bon, c'est en ce moment c'est compliqué de vous proposer du contenu. Hein. Enfin, on ne fait pas grand chose, donc c'est pour ça que ça fait 15 jours. Mais bon, nous revoilà dans ce nouvel épisode. Donc vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir le souk de Guelmim. Voilà, on repart hein, de Guelmim, hein, parce que la dernière vidéo, eh bien, c'était plus un podcast où je vous expliquais peut-être notre futur mode de voyage. Donc on repart de Guelmim, même si ça fait longtemps qu'on y était. Et donc après le souk, donc vous allez pouvoir découvrir aussi la région de Tafraout, donc une superbe région, des superbes paysages. Et puis après, c'est surtout aussi cette vidéo, on l'a dédiée un peu à toutes les routes qu'on a prises ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que c'est vraiment un peu les routes de l'impossible hein, pour un camping-car et une remorque. Hein, on fait 11 mètres de long, donc on a vraiment pris des routes pas faciles d'accès, malgré nous, on l'a pas fait exprès, mais bon, on est quand même passé au final. Donc vous allez voir tout ça et j'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Bienvenue au souk Am Irish à Guelmim. Nous l'avions déjà exploré ensemble l'année passée, mais nous ne résistons pas à l'envie de vous y emmener à nouveau, tant ce lieu est atypique. Un lieu où le temps semble s'être arrêté, où les traditions ancestrales se mêlent harmonieusement à la vie moderne. Ici, chaque semaine, la magie opère. Des éleveurs et commerçants de toute la région se rassemblent dans ce souk, célèbre pour son extraordinaire marché au dromadaire. Mais le souk Am Irish, ce n'est pas seulement un marché, c'est un carrefour de culture, un lieu de rencontre pour les tribus nomades et semi-nomades, un espace où se partagent histoire et sourire, négociation et amitié. Après avoir exploré le souk de Guelmim, nous nous sommes dirigés vers Bouizacarn pour retrouver Larsen et son camping, un endroit que nous avions eu le plaisir de vous présenter l'année dernière. Nous y avons passé une semaine, c'est d'ailleurs là que j'ai enregistré ma précédente vidéo dans laquelle je vous partageais nos réflexions sur un éventuel changement de mode de voyage. Puis nous avons poursuivi notre périple vers Tafraout. C'est à partir de ce moment que nous avons rencontré nos premières difficultés dû à des routes peu adaptées à la conduite d'un camping-car avec une remorque. Ces difficultés restent encore minimes par rapport au reste du voyage plus tard dans la vidéo.
Tafraout, nichée dans l'écrin des montagnes de l'Anti-Atlas, est une perle rare qui séduit par ses paysages époustouflants. C'est ici et nulle part ailleurs que nous avons été émerveillés par un ciel d'un bleu si intense, si pur, qu'il semble presque irréel. La ville est renommée pour son fameux lion, que vous aurez le plaisir de découvrir en fin de vidéo, se dévoilant majestueusement dans la montagne au fil des variations lumineuses de la journée. Cette région, nous l'aimons tout particulièrement, mais celle-ci se mérite avec un parcours exigeant, jalonné de routes tortueuses et parfois délicates à arpenter. Donc après Tafraout, on a pris la direction de Tal Yuin, donc en passant par IRM. Donc voilà, au début, on ne s'était pas trop méfié, hein, on a pris la route. Sur le GPS, elle avait l'air tout à fait normale. Hein. Bon, c'est une route de montagne, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, ça ne montait pas non plus à une altitude folle. Donc voilà, on la prend et le début du voyage s'est bien passé, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Bon, il y a des routes de montagne, bon, il n'y a pas de barrière de sécurité. Bon, Didi, elle aime pas trop ça, mais bon, voilà, c'était quand même assez simple à passer en camping-car. On n'a vraiment pas eu de problème au début de Tafraout à IRM. Donc, vous allez voir tout ça. Et ensuite, la suite, ça s'est gâté un petit peu, mais je vais vous en reparler après.
C'est après Irem que ça s'est un petit peu gâté. Hein. Les routes se sont vraiment beaucoup, beaucoup détériorées. Il y avait des énormes trous. Il y avait de moins en moins de goudron pour au final, des fois, se retrouver carrément sur des pistes, à traverser des oued et tout ça. On faisait pas trop les fiers parce que au bout de la piste, on ne sait pas comment commencer. Hein. Si à un moment donné, il va falloir faire demi-tour parce qu'on ne passe pas. Surtout que ça faisait quand même presque déjà 3 heures qu'on roulait. Si on dit qu'il faut faire demi-tour pour aller prendre une autre route, hein, ça aurait rallongé beaucoup, beaucoup le voyage. Donc ça aurait été très compliqué. Mais au final, tout est quand même bien passé. À part un passage quand même qui avait vraiment été compliqué, c'était une sorte de cuvette donc pour passer l'oued, et après il y avait une espèce de pente là, pour remonter. Ça se voit pas beaucoup à la vidéo, mais je devais accélérer pour monter la pente parce que sinon je pense que le camping-car ne montait pas, et ça a quand même peiné. On a été secoué dans tous les sens, mais ça se voit pas trop avec la vidéo parce que la GoPro est vachement stabilisée, donc on voit pas trop, mais c'était quand même très 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 limite avec le camping-car. Mais au final, on a quand même réussi à rejoindre Taluin. Donc au final, on a fait 200 km en un peu plus de 5 heures de route. Voilà, donc ça a été très long, très fatigant et éprouvant pour le camping-car. Mais au final, on regrette pas parce que c'est des superbes paysages, hein, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Hein. On en a pris plein les yeux. Mais on ne ferait pas ça tous les jours. Et je pense même maintenant qu'on sait comment est la route qu'on ne la reprendrait pas avec le camping-car. Voilà. Et bien cette vidéo se termine. Donc j'espère que vous avez apprécié tous ces paysages, toutes ces routes, que ça n'aura pas été trop long. De notre côté, on va essayer de sortir la prochaine vidéo assez rapidement. Normalement, je dis bien normalement, hein, on a rendez-vous demain au refuge là, de chiens, un refuge animalier qui recueille des chiens à côté des Sawira. Donc on a rendez-vous demain après-midi. Donc on espère qu'on va pouvoir faire plein d'images de ce refuge et qu'on va pouvoir vous les partager ensuite assez rapidement. Ça se termine. Donc comme à votre habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, de nous mettre un petit like pour nous soutenir, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!